Les revenus de l'écurie sont bons à l'heure actuelle. Il faudrait que tu commences à réfléchir pour savoir quel domaine bénéficierait le plus d'un investissement. Écoute-moi bien attentivement, s'il te plaît. Le règlement technique change l'année prochaine. On risque de perdre une partie de notre travail si on n'agit pas. Il faut qu'on limite les pertes. Dès que tu en auras l'occasion, consulte les développements qu'on a effectués et signale-nous ce que tu souhaites protéger en priorité.
Quelqu'un t'a peut-être parlé des nouveaux composants que l'usine nous a envoyés. Eh bien, ils ont été installés sur ta monoplace. Espérons qu'ils auront l'effet escompté. Vu le manque d'adhérence sur la piste, vas-y mollo sur les deux premiers tours. Très beau travail, toutes ces données vont nous être utiles.
prestations. On a obtenu ce qu'on recherchait. Continue comme ça. Au travail, toutes ces données vont nous être utiles. On a obtenu ce qu'on recherchait. Continue comme ça. Programme terminé, beau travail. On a obtenu des infos précieuses. Rentre au garage, je vais te montrer le résultat.
Au stand à la fin de ce tour. Rentre au stand à la fin de ce tour.
Nous avons près de 4 tours de carburant. Je te conseille de rentrer au stand pour qu'on y jette un œil. Ok, voici le temps du dernier tour. 1 minute, 36,7. Attends-toi à rencontrer des problèmes de performance tant qu'on n'aura pas réparé.
Remettons-nous en tête les trois pilotes les plus rapides. Russell, Iceman et Charles Leclerc. Et voilà, les essais sont officiellement terminés. Au revoir et à très vite.
Maintenant que les qualifications sont terminées, revoyons qui sont les trois premiers du jour. Sainz, Perez et Max Verstappen. Les qualifications sont terminées, la grille de départ est maintenant établie pour la course de demain, alors ne manquez surtout pas ce Grand Prix qui devrait tenir toutes ses promesses. Nous sommes en direct de la préfecture de Mie, située au sud de l'île d'Honshu au Japon. C'est une étape qui a été décisive pour de nombreux titres au fil des années. Les courses y sont parfois classiques, parfois controversées. Mais ce qui est certain, c'est que ce circuit incontournable de la saison de Formule 1 contribue pleinement au riche héritage de ce sport. L'exceptionnel circuit en 8 de Suzuka compte 10 virages à droite et 8 à gauche pour une longueur de 5,8 km. La vitesse y est plutôt élevée puisqu'ici, les pilotes atteignent les 220 km/h de moyenne par temps sec. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Carlos Sainz s'élance de la première place devant Sergio Perez en deuxième position. Regardons maintenant le reste de la grille. Verstappen, Iceman, George Russell et Leclerc, Norris, Hamilton, Bottas et Daniel Ricciardo, Gasly, Tsunoda, Fernando Alonso et Mick Schumacher, Albon, Vettel, Daniel Tictum et Esteban Ocon, Zhou, Stroll, ils ont reçu une pénalité sur la grille, Magnussen et Nicolas Latifi. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui.
Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné par Nicolas Martin. Bon, parlons un peu d'Iceman. Que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant ? Ils ont eu une année admirable jusqu'ici. Certaines de leurs performances sont à souligner, mais il faut surtout saluer leur constance. S'ils continuent comme ça, on peut s'attendre à une nouvelle course d'anthologie.
Les voitures débutent le tour de formation sur une piste ensoleillée. Il sera intéressant de voir si les conditions météo auront un impact sur la durée de vie des pneumatiques aujourd'hui. Les monoplaces prennent position sur la grille et les pilotes sont presque prêts pour le départ. Chacun d'entre eux espère aujourd'hui aller chercher un beau résultat pour récolter de précieux points. Les dernières communications entre pilotes et ingénieurs concernant la stratégie viennent de s'achever, alors place à la course. Constater un niveau d'usure important dans le moteur à combustion interne. On va subir une perte de puissance. À présent se concentrer sur le reste de la course. On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change ? Les stands, les mécaniciens sont sortis du garage avec pour mission de réaliser l'arrêt le plus rapide possible. Notre dernier arrêt, plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. MGUK affiche une certaine usure. Le système MGUK montre des signes d'usure. Retour à la normale.
13 va être autorisée dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS. Continue comme ça. Avec notre coéquipier, 13,6 secondes.
la voie des cendres. Impeccable, très belle manœuvre. L'écart avec la voiture qui te précède est de 5,9 secondes. Esteban est au stand. Retard avec la voiture qui nous précède est de 1,6 secondes. Je creuse l'écart de 5 dixièmes par tour avec la voiture de derrière.
Ça va? C'était pas beau à voir. Coupe le moteur et attends l'arrivée des commissaires. On réfléchit à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial? D'accord, confirmé. Il nous reste à peu près 5 tours de carburant. L'écart avec notre coéquipier est de 22,6 secondes. Tu viens de gagner une place. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. C'est ton dernier tour.
C'est la fin de la course. Rendez-vous au parc fermé. Le Grand Prix du Japon touche à sa fin et on peut dire que notre vainqueur a piloté avec brio aujourd'hui pour s'emparer de la victoire. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous ? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies, vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même. Quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull. Ils ont été phénoménaux aujourd'hui et ils nous ont fait vibrer comme jamais tout au long de la course. Félicitations à toute l'équipe. Voyons comment ce résultat a affecté le classement des pilotes. Le leader du championnat reste en tête du classement, mais ses concurrents ont repris un peu de terrain. Alors Nicolas Martin, qui serait pour vous le pilote du jour ? Pour moi, ça ne peut être que Lewis Hamilton. Le multiple champion du monde est peut-être un choix facile, mais on ne peut pas nier que c'est un pilote qui mérite ce titre. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Red Bull prend le large au classement. C'est une belle opération de la part d'Aston Martin qui réussit à bousculer la hiérarchie. C'est un week-end de Formule 1 complètement fou auquel nous venons d'assister. J'ai vraiment hâte de voir la suite.
On a reçu les nouvelles pièces de l'usine. On va les intégrer à la monoplace en vue du prochain Grand Prix.